Congo Télévision, Balandia Radio, Liberté Kinshasa, Bolimbi Sissus, pour quelques minutes de retard, toujours dans l'émission. Et ça dit indépendamment de la volonté d'abisser au service, nous attend réel. Et puis, situation en Boka, autre commune en Goïsa, un peu compliqué partout. Makambakura, Makambabanini, tout ça, ça pose toujours problème. Aussi, à groupe électrogène Mabé, aussi, à panneau, problème. Nous sommes là. Tout ça, pour nous servir, dans des conditions peut-être difficiles, mais on ne peut que faire avec. Tout ça, continuer, ma solo, les lots, vous voyez, les journées. Très attendu pendant ma plénière, très attendu dans le nouveau Assemblée nationale. Les 10, on va annoncer que le 10 décembre, c'est les lots pour la procédure, il y a examen, il y a pétition contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et pour qui va pécher, se justifier les membres concernés. Ensuite, pétition et cause à la députée va voter. Peut-être soit pour un médecin, un membre à Kala, soit pour un coquin de Nabango, Koulongo Labango. Et puis, Nétoyoki, certainement, peut-être les lots toujours va procéder à l'élection, il y a bureau, il y a Sika. Parce que nous sommes allés maintenant, course à la montre, pour que les 15, et cause à la clôture, il y a session ordinaire, il y a septembre 2020. Alors, on a invité la Bissot, Tourmekako Magnola, Oyoko Lekalilo. Par rapport à l'attitude des députés nationaux, hein, moni, ils ont jusqu'au deux camps, quand M. Soussouro va dénoncer, semble-t-il, la violation de la Constitution, la violation de la procédure, quand M. Soussouro va dans la logique, il va dire qu'il va respecter Mibeko, il va dire qu'il est Takinga, donc arrêt, ils ont sauté. Le bidaye, il va dire qu'il est quelque part. Ah voilà, Kinshasa, tu vas mettre solo en haut. Maître Tozanandeko Jean-Serge Tiben, communicateur, il y a FCC. PPRD, Ndeko Jean-Serge Mbote. Mbote mwana mboka, Mbote bae nyosu, bazola nabiso, kongu mbima pe Kinshasa mbimba. Tutoni ba mbo tundi. Merci beaucoup, nandengo répondre na invitation nabiso na tonga lelo. Mbenga miami bale, toza na Ndeko nabiso, Maître Paulin Mukala, yazali kadre ya IDPS Tshisekedi. Maître Paulin Mbote. Mbote Ndeko Jamedar, ona okazio pisingai, toyako lebelaba Ndeko nabiso, awana CCTV. Merci beaucoup. Troisième invité, hein, en région de Rebisso, je crois incessamment, Azali Ndeko Adarish Luboya, Azali président de la Ligue des jeunes, il y a MLC, je crois qu'il y a en région de Rebisso dans le plateau, Adarish Luboya. Alors, cela ne nous empêche pas de faire l'émission. Désolé, hein, deux minutes, vous allez sous-souter parce que tant ici, l'équipe, moi, Makassi, moi, très rapidement, Ndeko Polé Moukala, 30 secondes pour un sujet particulier, en dehors de Outikoloba. Bon, justement, Nazaka juste moi deux minutes pour la justice Nabiso, ba magistrat à cour constitutionnelle, ba élevé niveau à justice, batala souci à Mokonzi Mboka, procureur près la cour constitutionnelle, au parquet général près la cour constitutionnelle, à comprendre que Batumusus Baza vraiment intouchable, à libérer, à ben sa chibala et à Kosamba. Ozomon. Merci beaucoup, Maître Paulin Mukala. Ndeko Jean-Serge Tiben. Information à l'Iboson, on appelle ça Kinois. Ils ont dit que le gouverneur de la ville, son excellence Gentiline Gobila, a séjourné à Tunis depuis, je crois, 3 ou 4 jours, accueilli qu'on participation, qu'on participait à l'activité. Il y a sommet à ma mère francophone. Mais, et l'autre, quand moi, après le départ, il y a le gouverneur Gentiline Gobila. Na pokwa nango, na lolenge IDP se mestani na violation. Ndenge, ilun kama voyage ka na souka nango, na pokwa nango ba nommé ordonnance, ya ba zouzi, ndeko eteni longondo. C'est lui que j'appelle un ministre incompétent. Atikali kozwa, arrêté ministériel, pour na nommé comité de gestion dans l'hôpital Yamamaïmo. Alors que cette institution à caractère provincial, l'institution hospitalière, est allée dans la compétence et à gouverneur de la ville. Nous avons le document, le premier document, c'est le décret loi 27 juillet 2002,
075-2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital de Mamayemo. Zeli, décret-loi pris par le président de la République. Donc, un décret-loi pris par un chef de l'État ne peut pas être abrogé par un ministre de la Santé. Nous avons compris que, de la même manière, Gilbert Kankondre, vice-premier ministre et ministre à l'intérieur, est en train de fouler au pied la loi portant principe fondamental à la libre administration de la province, en s'ingérant dans le dossier Zando, en s'ingérant dans le dossier gouverneur, au bas de démissionner librement, aujourd'hui, une jurisprudence malheureuse vient de se créer avec un autre membre de l'UDPS pour bloquer la vie de Kinshasa et Kennedy Bosoté. Mais Bakino Bazo, commis tout na mituna. Tant que Mobila Yaki, foulou, salité, na morgue, maman, et monsieur Zarobima, ton mona était ni longondoté. En tant que ministre, ce que l'hôpital est la compétence, pour nous que nous soyons morts, pour nous retourner à la funéraire. Merci. Mais tant que Ngobila a jeté pas, il y a pour ça la Moussalawana, les lois à Zoluka font pour réhabiliter Mama Yemo, et tel le Ngobila, solo yambo ngote, a yekotia comité de gestion, et nous disons que cette manière de faire là, et qu'on les kate, nous sommes dans un état de droit, il faut que le texte des lois soit respecté. Maître Paul Azoling Samoutou, je ne pense pas qu'on va réagir. Bon, non, Monica, que. Toi, avancer dans l'émission. Merci, que, merci. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, tu as dit que tu as politique. Tu as dit que tu as dit que tu invité la bison monsieur Daris Luboya. Tu as dit que tu as dit que tu as prévu et au grand complet. D'abord, il y a un mokonzi ya mboka au Landaki Yango, au Salaki le 6 décembre au Tchikoleka, na place au Zalaki. Quels sont les points où il faut retenir attention d'ailleurs lui qui est vraiment présent, lui quelque chose où il répond à la besoin de la population. Merci beaucoup de Jean Médard. En tout cas, discours on a le 6 décembre au dimanche Mokozambo Kalobaki. En tout cas, rencontrer chaque Congolais na problème Isaac Nango parce que sans embâche dans le Belango, na quatre discours on a nayoki bosangani bomoko. O tata mokonzambo kaza ko senga ba congolais na ba congolaise nyoske tosa la bomoko pona tosa la mboka. Alors na niveau on a déjà je l'ai vu un rassembleur. Alors dedans ton zo kota kati siko ta mokonzazo ko kondola le bino ngongango ko kisiko pour tosa la peuple to le ki deux ans moko ya buzoba donc bon organisaté donc to ba sous la politique ba regroupement politique donc o ya le bi boye ba tuna balandi cette fois-ci en tant que garant, il y a Mboka, dans les constitutions de la Bissou, dans l'article 69, alors, a juste comme Mboko, pour que, à ce temps-là, il y a Mboko, tant que l'on ne va voter là qui est. Dans le cadre du discours, on a retenu le Mboko. Le président de la République a l'obéi Makamboa, programme national de stratégie et de développement, PNSD. Et ça, j'ai une innovation, oh, il y a ça, pour le Toroyoka. Dans le cadre du pays Soussou, en plus, il y a l'Union sacrée de la nation, eux en a quatre, ils ont bana nyonso ya Congo, na lisanga ya quatre ya l'Union sacrée de la nation pour que toko ka konsa la mission nyonso na quatre wana. Et puis dedans na kolinga na message à président de la République, à l'obili sous en plus il y a PNSD, oyo programme national de stratégie et de développement, oyo à l'obelaki, à l'obili sous que tant et sili pour na mutunyo surtout pour na ba magistrat. Magistrat, amusala musala naye. O la sa corrompu bagolongolae, bano bagotu kosil sa bagoza place pour que tonga liboso. A rencontrer chaque couche de la société na desiderata. Mais si on pense aye ko koma sikoyo, et sa place peut-être juste en tâche bille. Parce que il ne pouvait pas diriger Mora, président Sénat, Fandi Kotoyo, président Assemblée nationale, on a kende kuna tenne kotoma ki makambo na ya prestation de cérémonie ba juge o anomaki. Que nous n'avons pas de ministres et de députés de regroupement politique. Nous avons besoin des hommes d'État. C'est comme ça, au moment où le président d'Afrique, le message, il a ramené tout le monde à comprendre que Tolinga Congo, parce que Yemoko Nano, en tant que notre président Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire, son père lui disait toujours, pensez chaque fois pour le bien-être du Congo et des Congolais. Yango Mone Siko et Alebino. Yo, ça congolais. Ndima, tout ça est la mboka. Soko boi, c'est qu'on s'appelle contre-peuple. Merci beaucoup. C'est ça. Ndeko Jean-Serge Tiben. Tout ça est le soukoulou Yamokonzi. Olanda qui a mon dengenini. Quels sont les points positifs? Nakati a message à Pesaki.
eux les points peut-être au moins qu'ils aiment la mouté et donc ils peut-être pour contribuer à la cohésion en Mbokate peut-être pour la commémorer en Mbokate en Mabé ou remarque quelques années bon et donc à l'ébosson dans le bac bateau basaki discours à chef de l'État ces gens là méritent la prison bah l'objet si mon conseil en Mbokate maluba ou et moussou soit comme le bâté remarque à l'ébosson chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, notre chef de l'État, que nous aimons bien, je le vis dans la peau d'un candidat président de la République au Azali comme ça, un discours, il y a campagne pour qu'on ait une voix et pas des électeurs. Ou alors, il y a un mec qui est salle. Mais, Tommy Touni, Azali candidat président de la République, t'es. Qui va se battre pour arracher les voix chez les électeurs, mais c'est un chef de l'État qui a dirigé ou qui est en train de diriger un pays pendant des ans. On a remarqué à l'Ibosso. Deuxième remarque, a évolué le discours, car à bateau, comment il discours, ils ont fait dire à chef de l'État que depuis des ans, Tine n'est pas comme Bouye, donc la République n'a rien fait. À cause il y a un lobby. Ce qui a cosité. L'honnêteté politique ou intellectuelle, merci c'est beaucoup. Ce qui a cosité, ce qui m'a dit ça a des ans, et que rien n'a marché, c'est du fait de qui? Nous nous disons, c'est du fait, il y a cash dans le chef de l'État. Les preuves sont là. Le grand décision du gouvernement. Pas le FCC. Je vais vous donner le fait et le principe. Le grand décision du gouvernement se négocie. Ces traiteurs et se prennent dans le conseil des ministres. Pendant des ans que chef de l'État a dirigé, qui convoque et qui dirige le conseil des ministres? C'est le chef de l'État. Mais, quand ceux qui ont écrit ce discours-là, bah, le but est des ans durant, le chef de l'État n'a rien fait. Et que Moka et Fandi étaient les mis. C'est du fait de qui? C'est du fait du chef de l'État. Parce que c'est lui qui convoquait, c'est lui qui présidait le conseil des ministres, et les grandes décisions de la République. Et c'est du fait de la conseil des ministres. Nous avons pris acte. Nous avons pris acte. Il faut dire qu'il est sincère. Il y a mis ça tout. Et Kamisi Batounions, MC chef de l'État, à l'obake, qui s'allume Banda. On s'est dit, ah ok, qui s'allume Banda après des ans. Donc, quand nous nous avions dit que programme à 100 jours... Ah oui, deux ans de grâce. Hein? Merci. Quand nous nous avions dit que programme à 100 jours est un programme anticonstitutionnel, qui a fait bouffer à la République l'argent, oh, et plonger dans la crise économique et à ma casse. République commune et comme il y a un déficit en termes de mobilisation, en termes de macabre, nous sommes toujours ça là. Les gens ne nous ont pas crié. Mais chef de l'État reconnaît que même programme à 100 jours, c'est un fiasco. Preuve sur le moutou et en haut, il va inaugurer, maison préfabriquée. Et tu dis sur les salaires matin, ce qui m'a le continent, ça va s'écrouler. Donc, tous les projets que Kabila a laissés dans les tiroirs, Oyo Kash Azouaki, qui ont été très mal exécutés. Donc, on a discours, il y a mon conseiller. Lélo, on avait chef de l'État, positif. Chef de l'État, Andimi Yango, effectivement, a pêché raison dans FCC. Vous retenez pour positif. Il n'a rien fait que ce qu'il avait conduit à ça, le projet Wana, bah, même qu'il y a une violation, et puis, bah, même qu'il y a une distraction. Point positif, rien n'a été fait jusque-là. Point positif dans le discours. Point positif, chef de l'État lobby, il faut consensus autour de Yasséni. Le seul point positif, la réforme est hein, que façon nous, générale, que nous pouvons retirer dans le discours Wana, c'est ça. Que il faut un large consensus autour de la question Yasséni et que peut-être il faut continuer sur une vision, il y a réforme, il y a loi électorale. Merci. Mais, point négatif à Souka pour citer là parce qu'ils aient belé. Quand un bateau va comment il lisse pour la chef de l'État, même si chef de l'État, non, il faut tout le monde une élection à tour moko, tout une élection à deux tours. Au moment où nous sommes incapables, il y a qu'on mobiliser la recette comme il faut, et que toutes les dépenses, mon solonion sont toujours mobilisées les lots, et aussi la présence de la République, la institution va nommer un conseil de plus de 100 000 et quelques, n'a 6 agences va salir, et que, en 2023, toi, tu penses que nous serons en mesure
Il y a une élection à deux tours avec quel moyen? Deux tours, c'est un point négatif pour nous. Mais c'est un point négatif. Mais de quoi, on peut pas faire tout. Il faut d'abord préparer les moyens financiers. Parce que ça demande de l'argent, ça demande de l'information et beaucoup de choses. Analyse Yandeko Aldarich Luboya, président de la Ligue des jeunes et MLC, Mbote. Moi, retard, Mouké, je crois qu'à Bamboutage. Mes sincères excuses. J'aurais dû prendre des dispositions pour Nabi que. Bambouteage, les amis, à force majeure. Merci beaucoup. On a présence dans l'émission, on a tout le monde. Observation ou analyse, on a dit discours, il y a présence là qui le 6 décembre dernier. On a Kinshasa, message à lobby, tout ça. Quels sont les points positifs ou négatifs à retenir dans le quatrième message? Oui, Ndeko Jean Médard, je pense que le simple fait que même Yom Toza Mopandisango, au moment où il y a la population congolaise dans l'entièreté, dans le jour où il y a la formation politique et opposition, et à la bazana na le pouvoir, n'engue pas exprimer que c'est mon abandon. Je pense que nakoloba le contraire. Première chose nakoloba, c'est que de répéter même na plateau na yo oyo maintes fois que mariage FCC cash et bandaki ko bloqué mboka. Et je pense que le discours il y a président ou précédent qui le dernier discours Oyo déjà emeka ki ko fungula nzela pour na kolakisa que le président avait reconnu que on ne pouvait pas mettre une coalition politique au-dessus des intérêts de la nation parce que c'est ce qui est arrivé. L'issue il y a coalition ana ezala kinini ba conflit interinstitutionnel ernyonso. C'est le président qui a la responsabilité, il y a pour la décision en boucle dans le Conseil des ministres. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le président a la réponse sous le Conseil des ministres. Oh, le ministre a répondre au président que je veux me référer à l'autorité. Il y a un Conseil des ministres, il y a un président de la République, il y a sa instruction, il y a se référer à l'autorité morale. Il y a bloqué le cannabis pendant tous ces temps. Deux ans, oui. La coalition nous a bouffé deux ans et ce discours est venu naître Kolongola. Maintenant, tu as un chaîne qui est en train de se faire. Il y a salué le discours du président de la République. Pourquoi? Parce que Bisso, tu as un peuple. Tu as dit que le discours du président de la République a relevé le fait de la constat, de la plainte. La population se plaindre mi-colonionso. Le président est parti des matières sociales, a touché ma matière juridico-judiciaire, a touché ma matière politique, a touché ma matière gestion financière Yamboka. Le président a touché toutes les matières que nous considérions comme essentielles pour que Mboka ait avancé. Yamboka a tout salué. Deuxième chose, c'est que le président se dit... Je pense que j'ai l'impression que le président, c'est le discours de la campagne. Candidat non, mais Oebi de Kojan Médard, parce que c'est vrai, quand vous arrivez dans la position Oyombo Kezalilo, tout est par terre, tout est bloqué. N'habitez ceux qui vont vivre dans la planète Nin, parce qu'ils ont l'impression que oui, tout ça, leur bisotro, le bac FCC, chez Oboumamboka, Bangobabane qui coloba le contraire, pour dire qu'il travaillait. Et aujourd'hui, lui-même, il vient dire qu'il constate que le travail n'était pas fait. Il fait le constat lui-même, que le travail n'était pas fait. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour Nabisso, il est tout à fait normal que le président prenne ses responsabilités. Yo le beli likambo sincérité awa. Qu'il se rende compte que le pays ne va pas bien. Nous avons vécu pendant 18 ans dans ce pays où nous on disait que le pays n'allait pas bien, mais pour eux, le pays allait toujours bien. C'est quand même, au moins, il y a un peu de parti d'opposition, mais permettre à l'obélo Kongo, c'est peut-être un des points positifs du président de la République, c'est que tout le monde constate que, mais Oyo, on dirait ça véritablement en Mboka, parce que on sent le côté affectation personnelle dans Makamu, il y a peuple. On sent ce côté-là. Et quand tu constates que ton peuple souffre, Makamozo avance. On le canate vaut quoi ça? Non, non, c'est pas besoin de constater. Hein. Mais voilà, on a besoin d'action. Nous l'avions dit. L'air tozo le baké FCC cache ezo bomamboka. Libala wana il faut koufa iza mariage moko contre nature. Il est tout à fait normal que le président de la République soit sincère vis-à-vis du peuple pour dire bandeko. Maintenant, nous voulons revenir sur la bonne voie.
Mais et là qu'on a dit qui n'a chuté coup tout par là, c'était de dire que nous avons salué le fait que président Azoua résolution à Macamaro n'élan ya unité nationale. C'est de dire que maintenant, pour le moment, pour qu'on s'en sorte, na moi délai au Etikali, il faut to simba na maboko ba Congolais nyonso, to simba na maboko pour sortir le pays du gouffre. Merci beaucoup, Ndeko Aldare Chilboya, président de la Ligue des Jeunes, de la MLC. Ndeko Paulin Moukala, nous avons rappelé aux alliés cadres à IDP Tshisekedi. C'est vrai, unité, Ndeko Lobi qui est discours à campagne, saluer discours, mais na contexte en gros, tout le monde qui Moutou, tout ça là, je suis sur le coup la FCC, je trouve le quoi que le président Azana voit à Malamouté, je suis sur le coup de lobby, je suis sur le coup de l'opinion Nabiso, proche à l'opposition notamment, je suis sur le discours du président Azui, schéma Azui, et schéma à solution, il faut peut-être qu'on fasse autour de la table. Entre trois acteurs ou autant d'acteurs habités, combien bah, trois plateformes font autour de la table pour nous débattre. Ils ont peut-être ma solo, nous la solution aujourd'hui et comme ma solution à mon côté. Réaction, Zanine, mais peut-être que ça a réaction à ma dégoulobie. Voilà. Très rapidement, deux minutes de décision. Ah, mon tour dans le tour. On a dit que le plan, on a plein, tout le monde a besoin de la clarté. Mais on a répondu à chaud réaction à la mission PPRD. Depuis 18 ans, PPRD n'a pas dit qu'il y a un programme pour que le peuple congolais soit 18 ans, il y a eu un programme pour que 5 chantiers, révolution moderne. Tout ça, c'était des slogans. Slogans sans impact visible sur le vécu des Congolais. Mais qui ne sait pas ça? Tu vis dans Mokoy. Nous sommes en face d'un président de la République qui se sent responsable et redevable vis-à-vis du peuple congolais. Ce qui peuple congolais a besoin de se reconnaître envers le président de la République Nabiso, c'est parce qu'il est sincère. Le président de la République ne peut pas nous diriger dans les mensonges. On peut vivre pendant 18 ans, on peut vivre dans les cas. Le FCC est nostalgique. Pour nous, il ne faut jamais penser à un programme national pour le bien-être du peuple congolais. Jamais. Félix, n'a rien à pour que il n'y ait pas de la logique. Après 5 ans, il y a CEO, il y a Leki, il y a Salimimi. Alors, tant que je suis en train de il y a FCC et les autres qui parce que je crois qu'en jambes, Il y a un monde, président de l'Assemblée nationale, à la manifestation, président de la République à Bengisi. Et ça manque de déférence dans le respect vis-à-vis de l'autorité. De même que certains ministres. Donc, tout ça, nous ne sommes pas là pour déballer ça ici. Mais le président de la République est passé, et il était vraiment trop lent dans les Koyoka pour qu'il ne puisse pas comprendre. Mais les loyaux. Ils veulent donner des leçons. Moi, je suis vraiment en train de regretter pour la quota là. Niveau autre, vraiment que plus le peuple, il faut se connaître. Les présidents de l'église, discours, ils ont discours à campagne. Ce que nous avons dit, c'est que ils ont peut-être nostalgie pour la nini. Parce que le programme non se zaki à FCC contre le bien-être du peuple congolais et Kouéi Namaï. Alors, qu'est-ce qu'il se faut? Il faut que le moyen de faire ça, il y a un peu de non, le président de la République a un programme qui est à l'équipe de façon que il y a deux ans, il y a l'équipe de l'Obit. Non, le président de la République montre que le FCC a un calcul et il y a un peuple qui est en souffrance. Lui est venu, il a élu un programme qui est à l'équipe de l'Obit. Oui, l'honnêteté oblige. C'est comme ça que je reviens à la question, tu n'as jamais d'art. Rapidement, Jean-Serge. Est-ce que vous me donnez moi peu de minutes, ça aussi est un problème. Attends, mais téléspectateurs, bah, Zolanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deux minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a un plan malveillant. Il y a des politiciens qui sont dans la banque, autant qu'on a banque. Toi qui m'a il y a deux jours, certains qui sont dans la banque, dans le programme, dans la banque, dans la CC, dans la FCC, parce que Fayoulou, il est le maillot faible au Zaki à la Mouka. Jean-Pierre Bemba Charman, Moïse Katumbi. Il y a une consultation. Il y a un chef de l'État. En tant que Congolais, pour moi, il y a un chef de l'État. Mais il faut pas qu'on ait mais si vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un pendant que nous, les peuples congolais, nous souffrir, nous avons un la place gouvernement, la réalité, Joseph Kabila, qui est na crique. Le président Félix a zone mis en l'année des années, n'a pas sanglé autour de ça. Et ça, quand tu es battu, nous sommes congolais. Tant si quoi, Bandegoana, Bakeko, Sola Simanaku, Babengal, Susu, Masolo, Moussous.
oyo fayu bazoko sala tebi calcul wana déjà na plan na bango ndenge bazoko concocter yango pour que peuple a sombre na misère ndenge kolani fayu lisanga bonganga na fayu bazoko ne basi mandako ya batwa FCC bazoko tumwa eloko mike mike baya koloba basa ba déclaration ta wana c'est le qui que ba acquisition gratuite hein? Je vous dis tout simplement que toi journaliste na moko lisanga bonganga azoko réclamer sous bons offices ya catholique c'est déjà dépassé. Dans un pays, il y a un seul garant de la nation, c'est le président de la République. Merci. Il s'est assumé. À Bengisaki Mastolé, il fallait beaucoup de Boboyaki, Madame Borola Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres Batola Mouka qui ont compris le sens de notre pays. Comme on le dit ça, Bakéi, merci Ndeko Paulin Moukala, cadre à IDPS, Ndeko Jean-Serge Tibène. Très rapidement, la ligne de réaction, puis dans tout le monde, pour la situation de l'Assemblée nationale, aux alliés communicateurs, il y a FCC. Est-ce que bah, député va bah, répondre à message à l'élo, la plénière à l'élo, vous allez présent. Janine Mabunda, il faut qu'il y ait bureau, peut-être il faut qu'il y ait des évites, peut-être soit convaincu qu'il y a une explication, bah, peut-être qu'il y a on ne sait jamais, mais dynamique, moi, c'est créé, ma casse. Lobby déjà la pourquoi on a bah, image tozui, bah, sali sous réunion, bah, comme il y a 297 députés, on va écouter avec lobby, et sur la que c'est le quoi que sort, il y a Janine Mabunda, et ça déjà scellé. Ndeko Jean-Serge Tibène. Jean-Médard Lyoso, Bissot, ça la politique y a chaise vidité. Neto IDPS, ça a pendant 38 ans. Ils ont fait l'école buissonnière, Bissot, ça la montée. Nous irons à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour prouver à la face du monde et à tous les Congolais que la majorité parlementaire n'a pas basculé et Janine Mabunda ne partira pas. Toko Kendekuna, Wana Batuba noté. Parce que, les députés, les combattants qui sont sous le bois, bah, même dans l'Assemblée nationale, bah, 270 députés, les images circulent. 279 députés. 279 députés, alors que c'était fou. Devant les greffes, il y a l'Assemblée nationale. Maintenant, service de séance. N'a ramassé un membre de l'Obi, de MLC, de l'UDPS. Quand mon frère de l'UDPS parle, tu sens la haine, tu sens l'intolérance. A lui, il y a un qui, dans la consultation présidentielle, il y a un droit à Koloba. Fayoulou et les autres qui ne sont pas partis, ils doivent se taire, ils ne peuvent pas parler. C'est ça leur démarche. Installer la dictature, empêcher les gens de s'exprimer librement. Mais il me parle de blocage. Ici, si on devait parler de blocage, Jean-Médard, le blocage devait être en termes de projet. Le blocage devait être en termes de proposition de loi. Mon frère de l'IDPS qui est assis ici, deux ans durant, bah, il a mis son projet de loi au Bassali pour la population que la majorité parlementaire au FCC représentée et bloqué qui est alité. Bah, il a mis son projet de développement au Bayakinango pour la population que nous nous avons bloqué et alité. Même le programme au Yobamou Bassem Bantakinango, programme à 100 jours, programme et tout ça. C'est le projet de Kabila. Kabila a laissé ce programme, ce projet dans le tiroir aux études. Bitakour est témoin, il a témoigné ça lors du procès. Donc, ils nous ont rien amené en termes de projet aux populations. Azoa. Merci. Azoa. Bolamou, ton développement. Merci, Ndeko Jean-Serge. Oui. Il y a un moment. Oui. Il y a un Assemblée nationale. Nalani Ndekounanga MLC, à l'obi 18 ans, Kabila n'a rien fait. 18 ans, population a tikali n'a pas. Mais je confirme à mon frère que si Kabila a fait 18 ans et que rien n'a marché, Jean-Pierre Bemba a une responsabilité. Parce qu'il y a 18 ans, il y a Kabila. Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République. Vous avez des ministres dans le gouvernement. Quel est le bilan? Il y a Jean-Pierre Bemba. Transition, 1 plus 4. Mais oui. Moïse Katumbi, ils ont commis ça à l'élo. Moïse Katumbi, ils ont commis ça à l'élo. A été gouverneur dans Katanga. Quel est son bilan? Si le bilan de Katoum était positif, c'était sous l'impulsion, il y a nan. Donc ça c'est un faux débat. Les Congolais qui nous suivent savent que le discours de l'UDPS n'a pas changé. Kabila n'a rien fait, que les preuves sont là. Merci. Population moni banzela et ton ami, bon putain ton ami, mais école et ton ami. Merci. Ndeko, merci beaucoup. Nous avons pardon, tu respectes tes paroles. Ndeko, oui, rapidement. Aldarich, oui, président Ligue de Genève. Je vais juste toucher dernier point au Ndeko na biso lobby awa ya kina lobby 18 ans, Kabila n'a rien fait. Je crois qu'Azo attribue un propos à frère Nangaza Pembeni. J'ai précisé que pendant 18 ans, eux nous ont habitués dans un système où le peuple Azo ne l'a pas si. Mais pour Nabango, tout va bien. C'est ce que j'ai dit ici. Ils nous ont habitués pendant 18 ans
que pendant que ça allait toujours mal, pour eux, ça allait bien. Alors, alors si donc, dans les paroles de 18 ans, il faut qu'on tient pas MLC na 4. Non, mais Nako démontre, si, 4, si oui. Vous voulez, on peut avoir une émission avec lui. Oui, si, mais pour l'instant, les gens veulent comprendre. Nako démontre que na portefeuille, il y a vice-président en charge en matière économique et financière. Les choses se sont bien passées. Et le bilan, on peut tracer ici un bilan largement positif de 2003 à 2006. Avec des preuves, je suis économiste, avec des chiffres à l'appui, je peux vous démontrer que le portefeuille de Jean-Pierre. On a besoin de ça, avec Andarich. Faut que vous voyez Jean-Serge Dibène. Je suis dispo pour un débat spécial sur ça. Et la population congolaise est au courant. Alors. C'était quoi les résultats quoi? Stabilité à taux de change, économie, un plus 4, le triplé budget, les 300 millions à 900 millions. Le salaire des fonctionnaires, des militaires et tout ça. Donc on aura un débat spécial pour ça, mais population congolaise a habillé sur ça, il n'y a pas de débat. Alors, aussi, Nalinga qui n'a précisé pour Mouta répondre à la question de Soukate, moi j'aimerais quand même y revenir rapidement en un paragraphe. C'est que Bisso MLC Tolobi, nous sommes favorables au dialogue entre Congolais. Au moment de Kojan Médard, Mboka, ceux qui ezokutanana mbilinga mbilinga, il est important que Banamboka, Bafana, Basolo, là-bas échanger, Bayeba, que Toko, mais Mboka, Nabiso, Ningini. C'est ce qui a motivé le mouvement de libération du Congo et son président à répondre à l'invitation Oyo, président Alan Saki. Par rapport à Maramuzo le Kanana Assemblée nationale, j'aimerais préciser que c'est tout d'abord quand même une affaire interne à l'Assemblée nationale, à la Chambre basse. Bah, député va constater, tout comme Ozoyeba, à l'époque, il y a Jean-Jacques Mamba, monsieur Jean-Jacques Mamba, ils ont constaté que les choses ne vont pas bien au sein de l'Assemblée nationale et qu'il fallait que ces bureaux-là partent. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je pense que nous avons eu des signaux. Yomoko Moni, le simple fait, il y a bah, députés où il va signer différentes pétitions. Wana. Et puis en plus, la mobilisation, Yopen de Kojan Médard au Moni en tant que Mopandi Sango, mobilisation, il y a bah, députés où il qui na plénière pour na, installer le bureau d'âge ben installé, alors que Oebi qui avait une cacophonie, il y a l'autre bureau qui tenait à organiser une plénière, contrairement au prescrit du règlement intérieur, mais bah, député, bah, il y a appuyé en très grande majorité, écrasante, installation au bureau d'âge. Ça veut dire quoi, Ndeko Jean Médard? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande majorité que nous avons vue est favorable à ce qu'il y ait un changement. Ndeko Nanga Zolo, bah, que, bah, on sait la politique à chaise vite, bon, je crois que, bah, Meka, qui on a prestation des serments, bah, mon, que, la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, je crois qu'ils se sont ravisés. Mais les signaux à ce jour sont en train plutôt. Il faut encourager la présence. Il y a FCC dans la salle. Mais, bien... mais je dis que le FCC est venu appuyer l'installation. Il y a bureau d'âge, bureau provisoire au Batché. Pour confirmer que non, ma Bunda ne peut pas tenir une plénière. Donc ce sont des signaux en tant que politique, ce sont des signaux qui peuvent alerter. Mais, alors la dernière fois, on a vu la mobilisation, les gens ils dépensent, on verra. MLC, on se mobilise dans la rue, aujourd'hui, on se mobilise. Mais non, il n'y a pas de mobilisation. Parce que les combats se jouent aussi dans l'opinion. Ma pétition, ils ont une initiative via MLC. Donc nous soutenons, nous allons soutenir nos députés qui ont pris cette initiative. Jour au Monaki Bisso n'a parlé du peuple, c'était simplement pour barrer la route Nabatu Oyo Balini Komate la démocratie Nabisso. Parce qu'il y a un règlement intérieur qui existe. Nandenge ba pétition ne kota ki bureau en place et kokaki ko convoquer plénière T. Mais nous avons constaté qu'il y avait des velléités portant à vouloir organiser une plénière par le bureau actuel. Et donc, il y a un autre qui peut t'aimer là, ma velléité. Merci beaucoup. Maître Paul Moukala, rapidement. Ouais. Plénière, ils ont salé Malélo. Donc, tout le monde qui page et Mabunda, ils ont la tournée ou bien. Aux gens de Kojan, Serge Tibène, le BIC, FCC, vous allez leur présent. Et puis, pour démontrer, ma camion sur la Ndengue à Moulongo, Mabunda, au Kénéta, au Tikal. Merci beaucoup, Ndeko Jean Médard. Je réponds à cette question facilement. Mais nous avons rencontré Mouké Loko Mouké. Nous avons dit qu'on n'avait pas lancé le discours de la propagande. Nous avons dit qu'on voulait nous vivre en Kinshasa. Nous avons dit depuis Kabila Tango Bayaki, dans 18 ans, nous avons dit qu'il y a un peu de temps, nous avons dit qu'il y a un peu de temps,
Kabila lelo yo a komi Leopoldé ya Congo. Pona nini? A détruit Miba, a kotaki Miba wana konte à l'état. A détruit Miba, a sali sa cible. A détruit Jacamine, a sali mining. A détruit Kilomoto, a sali Kibali. A détruit la porte à matin, écoute, tout ce que ma pepe le bâtel, ma katena, yanani, yaboma, a déjà la porte privée. Il y a au moins 620 sociétés avec une exonération. Moutouan, puis la porte pour l'ina, pour ma économie, un mot à naïe, pour au profit de la Yemoko. Maintenant, mon amour, il faut tout le courage à Koloba. Moi, et Tchèque Sekedi me disait toujours, il faut dire la vérité en face de quelqu'un qui avoir peur de lui. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Moutou est responsable de la souffrance de la mission et sa Kabila. A tika qui est de mon côté, il faut avoir le courage de le dire. Il ne faudrait pas que tu aies le bâton, ma foutre. Moutou est à niveau de la cause de lui. Grave encore, Félix a suivi le conzi à l'année de son abacro qu'en jambe. J'avais dit. Je m'en assemblée nationale. Président de la République, Félix se dit à Zam, Moutou est à Nabila qu'en zambé. Aïe pour la sauver le peuple. Moutou est à l'union, soit qu'on a boule, ça y est. Mais rouge, il est hautement politique. Qu'est-ce qui se passe dans le Parlement? Alors, c'est vrai que la dynamique s'est constituée. Est-ce qu'il faut faire confiance à ma députée dans cette constituée avec l'équipe Iwana? Est-ce qu'on va attaquer l'OIP? Est-ce que ça va continuer ma réunion? Non, non. Renverser peut-être tendance. Est-ce qu'il faut faire confiance à cette dynamique? Il est sincère. Il dit qu'un jour, Félix, président Kabila, a contrôlé Mogo à cause de son entourage. Pourquoi? Parce que. Il avait été mal conseillé. Et puis, il y a encore le bagage. Si j'avais 15 personnes, quelque chose comme ça, le bagage est le Gouana. Donc, il était sincère quelque part, qu'il était mal entouré. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais le problème, on a reçu un parlement. Mabunda appartient à l'histoire. Pourquoi? Parce que, signé pétition, ce sont des Congolais qui ont compris que nous ne pouvons pas, tout ça, il y a la politique, il y a le regroupement politique, il y a le parti politique, il faut tout ça, la politique, il y a Congo. Alors, bas une responsabilité na bango pour que l'élo m'abonde à l'ongwa. Effectivement, présent FCC na katia sal. Et ça m'a bêté ça qui toko. Parce que ils viendront vivre comment bato FCC, bazoko signer l'élo, bazoko voter l'élo pour le départ hein, y a Mabunda. Et c'est ça même l'exercice démocratique. Donc je ne vois pas d'inconvénient présence à FCC na katia sal. C'est une bonne chose parce que FCC, il y a déjà des Congolais qui vont comprendre déjà que bah, conscience en boka, souci en boka, le rôle de Moussousou, alors il faut bah, faire partir maman ou place à Zaki, Batia Moutoumoussousou, pour que Moga et Kende. Parce que c'est la seule chose que nous avons vu, son yon, c'est que le Congo. Congo est la seule chose que nous avons qui nous unit tous. Merci. Je ne vois pas pourquoi il y a Congo, il y a un regroupement politique. Vraiment, à moins de Bauti na flag. Merci beaucoup. 082-33-33-749. Jean-Serge, déjà parole. Donc, Zaki, les derniers intervenants. Non, on peut s'amener à Josa, je suis dans mon temps, on peut s'amener à Minute Nasuka. Tous en moi, quelques appels, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est David à présent à l'EM. Oui, Ndeko David. Reste une rébellion contre la corruption et les peuples congolais. Reste le peuple congolais et bon. Ah, Ndeko David Akei, on a retenu l'essentiel pour aller les alliés discuter contre la rébellion contre les peuples congolais. 082-33-33-749. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Là, on connaît les olécatés, on ne comprend rien. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, le comédien. Bonjour, l'andayo. Bonjour, l'histoire, puis comment on a bonjour, bino. Ok. La société, d'abord, l'émission, là, il y a des condés, la vendée, la... La commune en Gadiema. Oui, Ndeko André. Alors là, qui a précisé une chose par rapport à Ndeko Super, l'on l'a fait perdre de Wana. Bon, c'est la vie au cahier, à Zolo Bakeno, discours à chef de l'église, là qui a un discours, il y a propagande. Mais, il n'y a pas moi, puisque apparemment, c'est comme ça, il y a un discours à chef de l'église. Le chef de l'État n'a pas fait la propagande, plutôt il a relaté. La discours n'a pas été d'abord, à Yamati Bato. Il a mis à notre disposition un qui est la population et maintenant à répéter à l'eau. Alors, pour la population, il a besoin d'une note de commander du gouvernement du Nord-Caché. Donc, il n'a pas suivi le discours du chef de l'État et il raconte des histoires qui ne tiennent pas debout. Et je pense que l'Assemblée nationale, pour le sujet de l'Assemblée nationale, il est clair. Bah,
je crois qu'il est de dire que les gens qui sont là, va installer en fait les bureaux des doyens d'âge, les députés ont annoncé, ils ont fabriqué, mais je regrette beaucoup. Sont des députés, des députés qui ont signé en fait. Merci beaucoup, toujours à Ndegomoussou, tout ça m'a résumé, hein, parce qu'il faut bander Moussou Pouba Noba, 082-33-33-749. Allô? Oui, allô? Bonjour. Ndegomitera na Kimaseke, très rapidement. Oui, mais ici, bon, il faut le d'accord, qu'il y a un peu de Ndegomé Mbokaou. Alors, mais, on y donne le bonjour. Dans le coin, même si on va moissonner, parce que déjà, il est parti au service de sa stratégie, et ça fait MLC. Parce que si tout ça, parce que nous avons MLC. Deuxièmement, Ndegomé Kala, il faut aller moissonner. Alors, qui est-ce qui parle à Ouad? Aïe, là, qui parle à Tchiko, à Moni Kéron, qui parle à Mandé, si le pour, à quel point est-ce qu'on a eu Merci beaucoup. Merci beaucoup. 082-33-33-749. Tozo Landayo. Bonjour. Bonjour, comment on a une contribution dans l'émission là? Oui. Oui. Merci beaucoup. 082-33-33-749, toujours appelle Moussoussou. Allô? Oui, toujours là-bas. Bonjour. Je vais vous dire comment contribution dans l'émission. Allô? De quoi qu'il malheureusement. Allô, bonjour. Mbote, vous avez besoin de comment aller. Allô? Oui, allez-y, papa. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Bonjour. Merci beaucoup. Toujours appel à Souka, Tongo Vald. Allô, bonjour. Allô. Oui, le grand Raphaël. Il faut d'abord tout déstabiliser. Il faut la gnoka, la gata ndam. Il faut la gata ndam. Le reste après.
C'est ça l'objectif qui est à moi là. C'est ça l'union sacrée. Tout le monde est 18 ans à Bango. C'est l'union colique. On va dans Boka. Nous sommes les malades déjà. Mais nous allons tant que nous occupons la balle en Boka. On va parler de tout le monde. Parce que la balle en Boka est à Bango. Merci. 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 Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Papa, moi, je vais vous dire que ça, parce que j'ai un mot de ma mère, c'est mon mandatif. Oui. Mais nous, on a mis des connaissances sur la FCC, on a les armes, on a pas voté. Oh. Bon, tout ce qui peut, on a pris ce mot qui m'a 10 appels, c'est donc déjà beaucoup. Nathan là, sur le message, Zali, Nathan là. Bah, tu vas voir. Bon retour au pays, hein, là, Yvonne Dangbele Ngotuga, le notable de Libengue. Bon retour à Kinshasa, après un long séjour à Paris. Bonjour, voilà, mon ambo, Kanayo, Kinshasa. Alors, message, Neko Jimel, Yubisa, Neko Tiben, que carte, Nabango, Yasuka, Isaac. Que va dévoiler deal entre Félix et voilà donc c'est pas clair le message. Bonjour Jumel, Yebisan de Koya IDP Seboye Lokola Abomi Libala Azongisa Mbongo ya Dot de Copolin Nambinza. On a plus à nous parler, on a reçu le message après l'état dans ses projets Nangana Malamu de Copolin Mukala. Réaction rapidement et puis na, quelques appels à Nougaoutou Binga. Bon, na sepeli ndeko Jean Médard, na ba téléspectateur na biso. Awa biso toza. Réaction peu conclusion là yo hein. Ah justement. Alors toza ko tia le boko na ko encourager denge ba ndeko na biso ba congolais ba comprendre que il faut te sauver Congo. Moi, notre zone aïe, bon, quand il s'est dit Kambo, oh ya maman, oh yo, basaka liboso ya roi Salomon, la véritable mère de l'enfant, alobaki, batika moi, nawan na mboko maman moussousou, amone na bomoi, aboyari bakataye. Donc, moi, notre zone aïe, moko na minute, eza Congo, Congo nde moi, na biso to surveye. Soko, le bai, ou benga miko za Congolais a solo, au kondima to sauve Congo. Bon, anini, na démarche, oh yo, moko zamboka, président Antoine Félix Tshisekedi a pessi. Pour que tout le monde soit une institution forte et puis tout sauver Mboka. Nayango, ce qui se passe aujourd'hui dans le palais du peuple, c'est l'exercice démocratique. Et seulement qu'il y a un Jean-Marc Kabou. Bah, tu vas se faire là qui va bêta qui m'a beaucoup, c'était bien. Ah, si quoi, comme il y a un Maboum. Et c'est un problème, Nani. Maboum dans sa spécialité. Alors, il peut accepter, surtout d'ailleurs, que le député est belé, il y a un FCC. Alors, à ta place. Batoyo, Bamoni Clarité, Batia, président Moussousou, et ceux qui ont été bossés, Congo et Tikala. Dans le lingue, nous avons dit que nous avons dit que tous à la cima, discours en Bozamboka, président Félix Antoine Tshisekedi, au Azamouana, au Yakola qui est au Congo, au Yo, Balakisa qui est Congo, Balakisa qui est Bolingo, na, Bolingo, Bakongo, na Congo, Balakisa qui est jamais que nous faisons l'ingombe à la place à Montouté. Balakisa qui est Mundukite, l'Issacité, Balakisa qui est Congo, na Bakongole. Dans le lingue, Bissonion sont aussi ma présidente de la République. Na vision de la Mosikoyo, toke n'est pas que toko bimisakalamingite la nouvelle majorité na parlement oyo eux qui construit une position na politique à président de la République pour que toko ka koken de liboso. Merci Neko Mupole Mukala, Neko Jean-Serge Tiben, le message d'après moi, je crois un membre du groupe Nabiso. Vous attend au côté pour le message Moussousou. Merci Neko Meda, Yubisa Neko ya PPRD que Jean-Pierre Bemba Moutou. Notre ligne budgétaire et à RDC, nous félicitons et libérons la Kabila avant à critiquer Bemba Kendeko. Le message n'est pas vraiment clair. Jumel demande un peu à monsieur de l'IDP, c'est pourquoi toujours dans leur dire le nom de Fayoulou ne manque pas. Entre Félix, voilà. Jumel et Yébissan de Kotiben, Aébissa Tatana Bango Kabila, Azongisa Mokozi à Batou. Azongisa Boko. Alors, Neko Jean-Serge Tiben, conclusion rapidement. Conclusion, on est allé bouiller. Une réaction par rapport à quelques appels. Alors, qui ne découvre pas, il y a MLC à lobby que le chef de l'État a un souci, une affection vis-à-vis du peuple. Et que, il y a un souci, il y a un souci.
Je vais conclure que les Congolais. Ah, tout, hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que vous pour noter, tu vas réagir. Je suis tout le parce que vous allez dans le rôle. Chef de l'État a triplé salaire, il y a un conseil, une fois 3, fois 4. Nous avons tous suivi le procès Kamir. Salaire, il y a un enseignant, il y a un médecin. Il a triplé une fois combien? Chef de l'État a créé une agence où ils ont consommé. A nommé ma conseiller plus de 1000 et quelques, 100 bazan en rang à ma ministre. Ba salaire, il y a ma médecin, à Bakissi Yango, Boni. Chef de l'État, ça lit plus de 70 voyages dans mon solo à l'État. Ba investisseur, ba pour mettre Kibiso. Ba to, ba la baki, ba voye la biso, Maï, Kolia, Moke Kubunga, ba ye Boni. Et puis, na remise à Nekonanga, nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Article 28 de la Constitution, c'est clair. Nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. Nous n'avons pas participé na makamweleka qui la prestation seulement va juge parce que nous avons pensé que c'est une violation de la constitution. Merci. N'achite. Et puis n'avici batou. La majorité parlementaire au FCC a détenu et kokendete à moins qu'il y ait des biceps qui est le forcing n'est pas dans le ministère et IDPS va jouer ça parce que sans le biceps, sans la violation de la loi, l'UDPS n'a pas une autre arme pour refaire sa population. Il ne vit que le mensonge et la désinformation. Rendez-vous tout à l'heure au palais du peuple, dans le Kinamalobaïsou. Bonjour, Ndeko Jimel et Tuna Tunelanga. Bandeko ya IDPS, les lois MLC, ils ont sous la service, il y a Kabila T. Pourquoi? La destitution à Jean-Marc Kabounde, au Mamba, était au service de Kabila. Ils ont mawa, wabino Ndeko, Koyoka Jean, depuis France. Alors, merci Ndeko Moussous, comme un message depuis Congo central. Bissan Ndeko, Jean-Serge, que Bemba est parmi les trois acteurs principaux. Oyo va contribuer pour réunification, c'est le cas démocratie, élection, bilan naïe, et Zalaki largement positif. Moutouyon soyebi. Si le bilan de Jean-Pierre Bemba est positif, le bilan de Kabila est positif. Attendez, parce que Jean-Pierre Bemba a travaillé sous le leadership de Kabila. Jean-Serge, Ndeko Nabiso, allez-y, Ndeko, conclusion. Rapidement, je pense que Ndeko Jean Médard, message Koutou Otiko Tanga, et Zotchanga un peu loin là. Il y a de longs messages, donc pour dire que le MLC est un parti républicain. Et ce que nous faisons toujours salango na ninge longo babini pona intérêt ya peuple. Nous sommes ceux qui ont défendu la constitution de ces pays. Tout ça ba oyo bazo tcha en avant intérêt na nous ya nation congolaise. En tant que homme d'état na traité mutu awa ya moyinité to ya ninité ba propos ba pesinga awa. Tout ce que nous avons dit c'est que ce qui se constate dans l'opinion c'est que président actuel a manifesté empathie par rapport à la population, contrairement à ce que nous avons connu au cours des années d'avant. Et puis, par rapport à discours, il y a président, c'est que bisotolobi que nous souscrivons à cet élan d'unité nationale, donc appel nanga lelo. Et ça, koloba que peuple congolais partout toza, il faut toza la mobiliser, toza la attention bisonyon sona makamiamboka à tous les niveaux. Peto tcha en avant nanou, intérêt à mboka. Unité nabiso eza nanou, unité d'esprit. To tcha intérêt à mboka, liboso nabiso. Comme ça, t'as observé ma kamdengezo évoluer, to l'andela, pour faire avancer le pays. Et par rapport à l'Assemblée nationale, bon, nous allons compter sur le patriotisme des honorables députés. Basala Moussala Nango, parce que d'ailleurs, je souligne que c'est une affaire interne à l'Assemblée nationale. Merci. Basala Moussala Nango. Merci, Aldaré Chiboya, président de la Ligue des Jeunes. Y a MLC, merci, maître. Paulin Moukala, cadre IDPS Tisekedi. Merci na Ndeko Nabiso, Jean-Serge Tiben, communicateur ya PPR DFCC. Merci hein, pour le débat. Na tongo na lelo. Merci na Balandi Biso. Message de Belé Bolimbisa pour la suite. Rotan a yo sauté. Attends, Balassima, Rotan a juste échantillon pour la collecte hein, pour symboliser rendez-vous des auditeurs. Nous avons indiqué combo. Et ça, rendez-vous na Bino. Rendez-vous tout à l'heure sur le lobby na 8h15. Rediffusion en première partie émission tout à l'heure na 16h30,
Deuxième partie, Nandeko Maxime, à 10h30. Merci. Kiosque avec Michel Koyapa. Karine Bébé, à Simbaki Bakamira, à Tongo. Dieu merci, Kifoza, la régie à TV. Ndeko Onesim, Ndeko Nabiso, Irbin Kayama, la régie à radio. Géry, la réalisation TV. Merci beaucoup à la programmation TV, Ndeko Nabiso Romé Makonda. Doudou Motiri TV,